Du coup, salut tout le monde, c'est Oconnet, bienvenue sur League of Legends. Aujourd'hui, nous allons jouer, encore une fois, Talia, oui, mais c'est pas le but de la vidéo. Aujourd'hui, nous allons se focus sur le jungler, comme le titre de la vidéo l'indique. Je veux voir, en fait, à quel point le jungler a une importance dans la game. Je fais partie des gens qui pensent que le jungler... Pas better jungler win, ah, merde, oula. Mais je fais partie des gens, quand même, qui pensent que, bah... Un très mauvais jungler peut vraiment nous faire perdre une game, ou un mauvais contre un bon en tout cas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Un bon jungler, il va savoir où aller sur la carte, et je ne fais pas partie des bons junglers tout de suite. Hein. Je suis un extrêmement mauvais jungler. En fait, je connais même pas les routes qu'il faut faire en fait. Du coup, je suis complètement perdu de base. Mais je pense que quand tu es jungler, tu dois prendre en considération toute ton équipe, toute l'équipe adverse. Tu dois faire attention à tout, et je pense que c'est un des rôles les plus durs à jouer en termes de macro game en tout cas, de League of Legends. Donc par exemple... Ici, il sait que la Queen va être agressive avec Ignite. Moi, je vais être agressif contre Cassio. Et la botlane va être agressive aussi. Du coup, le jungler, je suis en mode... Il va gank quoi, du coup? Donc, il va gank selon la route qu'il va prendre, à son red buff, etc. Du coup, peut-être que là, avec son red buff, il va commencer raid. Du coup, il va peut-être focus soit la mid lane, soit la top lane. Du coup, la botlane doit jouer différemment, vu que le jungler sera pas là. Et en fait, Jarvan, s'il se montre... Par exemple, s'il fait un gank top, bah moi, je suis susceptible de me faire gank à la mid lane, parce qu'il sait que Jarvan est la top lane. Du coup, je peux me faire... Je peux me faire gank facilement sans avoir de counter gank. Voilà, c'est pas si facile à jouer. Là, vous avez vu hein, mon équipe qui a bien setup les wards, etc. Même si j'ai toujours pas vraiment compris pourquoi. Ah si, c'est pour les crabes dans la river, évidemment. Ok, first blood, ça c'est pas trop normal. Normalement, il n'y a pas de kill. S'il n'y a pas le jungler, tu peux pas mourir aussi vite, en fait, dans la game. Donc ça, je trouvais ça un peu bizarre. Donc là déjà, le jungler n'a rien à voir avec ce qui vient de se passer. Là c'est même pas le jungler adverse, c'est vraiment ma botlane. Mort en 0-2. Du coup le jungler, absolument rien à voir dans ce qui vient de se passer. Je vais attendre le niveau 3 avant de faire quoi que ce soit moi. Alors je vais électrocute. J'ai pris les potions de corruption parce que c'est une... C'est une Cassiopeia. Je suis obligé de jouer potions de corruption contre elle parce que ses trades vont être... extrêmement violent. Ok, elle a plus beaucoup de mana. Donc là, le gank, on l'avait prédit à la top lane. Donc là, c'était la queen de mieux jouer. Elle aurait dû respecter le trajet de Jarvan. Après, c'est très facile à flash le combo de Jarvan. Mon Kled qui va mourir. Ouais, il a pas respecté. Ça, c'est très mal joué aussi. Donc là, mon Jarvan, c'est pas sa faute. Là, pour l'instant, le Jarvan, il doit péter un câble. Hein. Le Jarvan doit péter un câble parce que là, l'équipe fait n'importe quoi. Moi j'ai respecté, j'ai pas fait le fou. Hop. On est à combien là? 21-19, y'a pas de problème. Moi Jarvan n'est pas à côté de la mid lane en fait. Il est pas proche de la mid lane, je peux pas jouer agressif contre la Cassio. Y'a le Trundle qui arrive, ça me fait craquer un flash très très vite. Je peux pas prendre autant de risques en fait. Là, la Cassio, je sais pas trop où elle est, donc je dépoche vite. Je vais prendre des bots parce que moi je dois acheter des bots, pas elle. Et les bots, c'est très important contre Cassio pour pas trop se faire toucher par le Q, parce qu'un Q, ça peut aller très vite. Encore une fois, la botlane qui meurt sans le jungler adverse, alors qu'ils ont même pas de ward, c'est ultra risqué ce qu'ils font. Le gank à la top lane, parce qu'il y a peut-être plus de flash de la part de Queen. Oh, ça serait dommage, ça. C'était encore une fois bien exécuté. Ok, bien joué les gars. Moi, je peux rien faire, en fait. Je peux pas vraiment jouer agressif. Si Jarvan se montre et gank, je peux pas jouer agressif parce que s'il y a le Trundle qui arrive, il sait que Jarvan ne sera pas là en fait, comme je vous le disais. Du coup, je dois jouer différemment. Et vous voyez, toute la game repose sur le jungler en fait, normalement. Et la botlane, bah. S'il faisait juste farm, bah on était bien en fait. J'ai un peu hint là. Oh merde, là j'ai hint. Ok, alors j'avais pas vu qu'elle jouait avec barrière, putain. Normalement, les Cassio jouent Ignite. Là, c'est my bad. J'ai super mal joué. Là, j'ai vraiment très mal joué. En plus, on voyait pas le Trundle. J'aurais pu me faire bait avec la flaque. C'était nul à chier. Donc là, encore une fois, le jungler. Non, j'ai mal joué. Là, le pauvre... Là, Jarvan est en V5. Hein. Là, Jarvan est en V5. Le pauvre...
On a vraiment très mal joué. Va falloir que je l'aide le petit parce que là c'était vraiment trop trop nul ce que j'ai fait. Là vraiment pauvre Jarvan. Hein. Il a la pire équipe là Jarvan. Hein. On est mort à la bot lane. Moi je suis mort en 1v1 à la mid lane. J'avais pas le droit de faire ça. Je pensais en fait parce que normalement le match-up je le connais. Et en fait toutes les Cassio. J'ai jamais vu une Cassio jouer barrière en fait. Donc ça m'a un petit peu surpris. Je vais aller faire un tour à la bot lane moi. Attends elle est déjà niveau 6 donc. Ah mais le pack il fait n'importe quoi. Ok. On a fait quelques dégâts à la botlane. Je vais essayer de les aider même s'ils m'ont l'air vraiment pas ouf. Ok, je back ici. Il y a eu quoi? Il y a eu ça. Ok, j'ai mis les dalles au cas où. Il va falloir que tu défendes ici. Bon, au moins on a attiré la queen. Je perds beaucoup de CS, je perds une wave, voire deux. Faut défendre mec. Ah non, il aurait dû défendre là par contre, je pense. Dommage, 160 gold donné. Ok, ça c'était vraiment pas ouf par contre. Oh, oh merde. Aïe aïe aïe, ça c'était pas ouf. C'était pas ouf. Alors par contre, toi t'as int aussi. Ok d'accord, c'est parfait. La queen qui respecte pas les dalles de Talia. Bon, le Jarvan qui est pas mort, mais c'était ultra risqué ce qu'il a fait. Faut jamais prendre ce chemin-là. Ma botlane qui est encore morte. Ah ouais, 0-4 la botlane, ça commence à faire dur, là. Ça commence à être compliqué pour cette botlane qui apparemment int. Dommage, je vais... Dommage, dommage, dommage. Ouais, elle avait sa barrière. Je sais pas si elle a flash par contre. Est-ce qu'elle va se faire avoir une seconde fois par la même... Par la même chose. Ok, on lui a mis quelques dégâts. Mais là... Ok. Voilà, faut me respecter un petit peu quand même. Ok. Bon, ça, c'est l'erreur que j'avais fait au début. Je me rattrape un peu. Même si j'avais pas le droit de mourir au début, c'était vraiment juste grosse erreur de ma part. J'ai pas regardé les sorts d'invocateur. Et même avec les bons sorts d'invocateur, je pense que je l'aurais perdu. Je fais beaucoup de dégâts là. Nice, elle m'a pas respecté du tout. Hein? Ok, parfait. Jungler qui fait un bon taf, la Cassio qui m'a pas respecté. En fait, la Cassio, si elle rate son Q, je sais que elle est dans la merde. J'ai 10 stacks, GG la top lane. Là, je sais pas si vous avez vu, mais vraiment, mon jungler a fait un taf monstrueux dans la game. Il a aidé la top lane et le top laner, j'ai l'impression qu'il galérait peut-être un petit peu contre la queen, donc c'était vraiment très très bien. La queen, on l'a mise au fond. Elle a peut-être un petit peu de tilt même, je pense. Moi, j'ai pas eu vraiment besoin d'aide parce que le jungler était vraiment pas là. Le jungler adverse, par contre, j'ai l'impression qu'il a rien fait. Ma botlane a failli int la game. Ils sont 0-5. La game n'est pas du tout gagnée. Il y a 8-9. C'est très serré. Ça va être juste la MF à devoir focus. Ok, je vais me décaler. Bon, il y a quelqu'un ici, ça veut dire. Ok, elle était là. Là, il y a une ward ici. On va la tuer très vite, elle. Je pense qu'elle est morte. Elle est morte. Ça, vous pouvez le faire, ce petit cheese. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas de ward, vous le sentez que le mec, il est dans le virage. Donc, vous pouvez y aller en mode YOLO. Après, il faut évidemment avoir l'avantage du match-up. Bah, au moins être mieux fait, je veux dire. C'est pas mal, par contre, ça. Si on arrive à faire quelque chose, là. Là j'ai un très très bon mur, hein. J'aime trop cet emplacement de mur avec Talia les gens, c'est un des mieux. Il faut toujours se mettre sur les côtés, hein. C'est trop trop important de se mettre sur les côtés. Ouais, elle voulait, elle a pas eu de chance, hein. Elle a bien joué la Talia parce que c'était risqué ce qu'il a fait lui.
Vas-y, fonce-moi dessus, toi, que je rigole un peu. Allez, on va flash. C'est pas rentable. Voilà, le coup de tour qui fait trop trop mal. Ils abusent, hein. Ils ont fait n'importe quoi. Ils ont fait... Ça aurait jamais dû faire ça. Ah, il va aller chercher, je vais le tuer. Nice. Bon, ça c'est le petit cheese que je vous avais montré en vidéo. Allez, vas-y, rush-moi dessus, parfait, merci. Bon, j'arrive à sauver un petit peu la game, ils font quelques erreurs en face. Ce serait vraiment bien. Par contre, il y a vraiment trop de ward, hein. Je peux pas l'enlever, hein. J'ai autre chose à faire. J'ai juste envie de push vite ici. Pour setup un petit peu le après. Ok. Bon, j'étais arrivé un peu en retard, mais je préfère arriver en retard que mourir tout de suite. Ok, on a encore 10 secondes. Vous voyez, là, le push que j'ai fait à la mid lane, bah finalement, ça nous permet d'enchaîner tout de suite sur la mid lane ici, donc c'est pas trop mal. Bon, j'aurais dû utiliser mes sorts, j'abuse. Dommage. J'aurais dû faire plus de sorts là, j'ai mal joué, je pense. Allez, petit cheese, ça passe. On peut aller faire ça. Et on peut faire le baron après. Ok, allez, go baron. Ok, moi j'ai mon mur au cas où. Donc là, je suis en mode tryhard et en même temps, j'analyse de ouf ce que fait Jarvan. Parce que je trouve qu'il a super bien joué, Jarvan. C'est impressionnant. En fait, vous allez le ressentir normalement. Les games où t'as un bon jungler, vous allez le ressentir de ouf. Et là, pour ceux qui jouent jungler, genre le mec, il a trop bien joué, mais... Que ce soit... J'ai pas vu micro, en termes de micro-game, en termes de skill, j'ai pas vu. Mais le mec, tu vois, il voit toute sa team faire de la merde, il a pas dit un mot, le gars. Genre, il a vraiment pas dit un mot, le Jarvan, alors que sa team faisait grave de la merde. Et ça, c'est ultra respectueux, en vrai. Franchement, profitez de ce genre de game, parce que c'est insane. C'est insane d'avoir un jeu. Là, vous allez dire, il a rien fait, en fait, le jeu. Oh, que si. Pour ceux qui jouent souvent avec des junglers pas ouf, là, hier, j'ai eu... Je pense que ça fait 2 jours où j'ai des junglers pas ouf. Et je voulais faire justement une vidéo là-dessus. Et vous montrer quand j'ai des junglers pas ouf ce qui arrive. Et là, vous voyez, il est en 1-3-11, le mec. Il est en 1-3-11, il a carré la game. Sans ce Jarvan, vraiment, je rigole vraiment pas. J'aurais jamais gagné la game de 1. On l'a pas encore gagné, mais on n'aurait pas été aussi bien. Et moi, j'aurais été peut-être en 2-12. Une autre joke, hein. Le fait qu'il joue un off-tank et tout, c'est trop important. Qu'on gride pas là, par contre, ça sert à rien. J'ai mon mur. On prenne les objectifs petit à petit, on a le baron, normalement c'est win. Ça m'a bien stock ça en vrai. Moi il faut que j'aille chercher notre ami Miss Fortune. Faudrait que je mette un petit mur là d'ailleurs. Tu sais quoi, je vais mettre sur un petit flank là, hop. Faire attention parce que mon mur peut aider l'équipe adverse aussi, faut que je fasse attention. En fait, dès que Miss Fortune fait son ultime, je flash W. Voilà. Elle vient de faire son ultime. On l'a tué assez vite. Non, on l'a pas tué. J'ai oublié d'ignite. Merde le con. Bon, j'ai mal joué. J'ai mal joué sur la fin. En fait, je voulais absolument focus la Miss Fortune. Je voulais absolument flash ignite et faire mon combo et j'ai même pas eu le temps. J'ai juste mal joué, c'est pas grave. Erreur mécanique! Putain, ça fait plaisir. Putain, j'ai Jarvan. Pouah, le bâtard. Et en fait, le jungler, pour moi, hein, encore une fois, c'est mon avis, je suis vraiment curieux de savoir votre avis. C'est ouf comment un bon jungler, parce que lui, il était bon, hein, il était en 1-3-11,
Et je te dis pas, un bon jungler, c'est pas un bon jungler en mode il carry la game, il est en 11-0-3. Ça peut être un bon jungler, oui, c'est un bon jungler aussi, si il carry la game et il la win. Mais merde! Genre, il a mis une bonne pression, c'était intelligent ce qu'il a fait. La botlane. Alors, il est peut-être pas allé à la botlane. Est-ce qu'il avait vraiment besoin d'aller à la botlane alors qu'ils étaient en train de int? Je ne sais pas, il y avait Soraka, ils n'avaient pas encore de réduction de soins. Pour moi, il a fait une excellente game. Bref, j'espère que vous avez aimé la vidéo, les gens. C'était mon petit focus sur le jungler. Bonne chance, amis jungler. Vous avez beaucoup de taf à faire. Et merci au Jarvan, c'était une excellente game. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.